Ah, yes, so blessed rising, everybody. I am so grateful to be here. So like we had mentioned, so as you guys know, this is the OFC Lotto Co-Pack. I am Pharaoh Hamid Freeman, founder of the OFC, and we're here with our brother Frank. Bonjour, Frank. Bonjour, Pharaoh. Hi, everyone. Très content d'être là. Frank Eboa, président directeur général pardon, du Conseil panafricain et joyeux promoteur du Carrefour des affaires panafricaines. Formidable. So guys, we had mentioned, we've been telling you guys, we're going to start this whole series of showcasing the businesses who are part of the OFC Lotto Co-Pack. So I'm super excited and we're very blessed to have our sister Mayela, who is the owner and the founder of Liam Jewelry. Is Liam Jewelry beautiful? we're glad to have her on with us. So she is one of the businesses. So she's not just a participant, but she's also a business that sees the value in what we're doing with the building this whole ecosystem within the community. So we wanted to give her an opportunity to introduce herself, introduce her company, and let you guys know a little bit more about her products and what she does. So welcome, sister. Thank you. Good. Thank you for having me today. It's my pleasure. It's our pleasure. So the floor is yours. Please feel free. Introduce yourself to our peoples. Okay. Well, I am Mayela, as you said previously. A lot of people simply know me as Liam because that's the name of the business under which I operate. So what is Liam? For those who don't know, I make fashion jewelry, costume jewelry. I make a lot of custom jewelry as well, mostly for women, but also for men. I use materials such as stones, wood, glass, metal, more as add-ons, but I don't actually carve metal jewelry because I have people sometimes who come to me for this type of jewelry and I refer them to other people within the community who offer these services. And jewelry has been my passion since I was a kid, since I was a child, but it's only as an adult that I decided to develop it as a business when I saw the need out there for either custom jewelry or just fashion accessories. And what you're looking at right now is my online shop. It's on Etsy. So from there, people can order whatever is either already in stock or whatever can easily be made to order, such as my waist beads. I have some pre-established models, which people can just order in their size and I can make. Then again, I also make a lot of custom orders. So if someone doesn't see anything that they want on my site, they can just message me, tell me exactly what they're looking for. These are beautiful. And I wanted to just take the opportunity to share while you were speaking, just so people could get an idea, because you make some beautiful pieces, sister. Like this is, vas-y, Frank, tu veux répéter en français? Non, c'est très, très beau. Déjà, tout à l'heure, elle va prendre le temps de répéter ce qu'elle a dit pour les gens qui parlent français. Mm-hmm. Mais on peut déjà constater ici ce qu'elle fait. Hein. Et puis bon, on a le lien pour le site internet, le lien vers le site internet qu'on va partager. Déjà, on rappelle ici à ceux et celles qui nous suivent qu'on est dans un exercice ici de promotion des organisations en fait qui sont membres de cette intelligence collective. Donc, il faut se rappeler que le principe du Lotto Co-Pack OFC, c'est d'amener des individus à participer à l'économie solidaire et à encourager les entreprises locales. Et on a ici le privilège d'avoir Mayela, une entrepreneur qui est déjà membre, d'abord individu, qui a adhéré récemment, et membre d'entreprise aussi, parce que c'est ça qui est très important de comprendre. Et on se rappelle ici, chère famille, qu'il faut faire ce lien-là entre l'individu, le consommateur, et ceux qui transforment le monde à leur façon. Alors, merci beaucoup, Mayela, d'être cet esprit créatif-là, qui fait partie, en plus, on a beaucoup, la culture entrepreneuriale est beaucoup en train de se développer aujourd'hui chez les femmes, on adore ça. Elles ont même un leadership aujourd'hui qui est quand même assez incroyable dans l'entrepreneuriat. Donc, on a constaté ici ce qui est fait. Mayela, s'il te plaît, redis-nous rapidement quelle est ton expertise, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a mené là, en fait, dans cette entreprise, s'il te plaît. Oui, donc moi je fabrique des bijoux mode.
que ce soit avec des pierres, du verre, du bois, d'autres matériaux naturels, parfois du métal, mais plutôt comme des ajouts. Je ne fais pas des bijoux gravés ou avec du métal fondu comme certains autres joailliers. Quand je reçois des commandes pour ça, je les réfère toujours à quelqu'un d'autre dans la communauté. Mais pour résumer comment tout ça a débuté, c'était une passion d'enfance. Donc, jouer avec des perles et du fil et les assembler pour faire des bijoux. Et c'est ensuite, lorsque je suis arrivée à l'âge adulte, que j'ai constaté le besoin dans la société, dans la population, pour avoir des accessoires mode, que ce soit des boucles d'oreilles ou un collier, surtout des commandes sur mesure pour un événement ou quoi que ce soit. Alors là, j'ai commencé à les commercialiser, mais ça a pris très longtemps avant que j'arrive au niveau où je suis arrivée maintenant. Mais attends, mais quand tu dis ça pris très longtemps, combien de temps à peu près quand tu dis... Parce que là, quand tu parles, c'est-à-dire que là, tu sens que tu es au sommet de ton art. Oh non, 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 c'est sûr que je peux y aller encore plus, sauf que je suis beaucoup plus avancée que je l'ai été dans le temps. Avant, dans le temps, c'était plus de bouche à oreille et je ne recevais pas beaucoup de commandes quand même. Je dirais une double de commandes par année. Maintenant, je reçois plusieurs commandes ou plusieurs achats par semaine. Par jour. Ouais, là, non, non, là, t'es modeste en plus. Là, tu parles en termes de chiffre d'affaires. Et moi, je parlais ici en termes de technique, en termes d'expertise technique. Tu es quand même, ça fait un moment que tu as roulé ta bosse, non? Et puis, en réalité, c'est quoi déjà l'expertise? Tu es une joaillière? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je dirais créatrice de bijoux de mode. Quand on dit joaillière, on peut penser que je travaille avec des métaux et des choses comme ça. Quelque chose que ça, je ne fais pas mon expertise, c'est vraiment le travail avec les perles, avec le fil, avec les aiguilles. OK, la création. C'est ça. OK, et tu trouves déjà, en fait, tes outils ici et là, c'est ça? C'est ça. J'ai mes outils à la base. Parfois, je peaufine mes techniques suite à des recherches ou juste mon expérience. Je trouve des techniques qui peuvent améliorer ma fabrication ou qui peuvent juste les embellir. I love that, sister. And the thing is, I have to say, I'm blessed to have had you for as an OFC member for a couple of years now, and I have seen the evolution, and I hear a lot of positive feedback from those who have been able to connect. I myself, I'm due for a couple of new pieces. Do you work with crystals as well? Like different, like, you know, lapis lazuli or different like amethysts and different things like that? Yes, and a lot of them, I add them to my waist beads as well. Okay. So now, see, and so this is good because I know there's healing components that come with working with crystals and different things like that. Do you focus on that aspect at all? Like if somebody is like, if they tell you like, you know, I'm kind of down, I'm looking for something. Like, are you familiar enough with the crystals to say, okay, you know what, I'm going to recommend this type of jewel for you to help lift your spirits? Some of them I kind of know off the top of my head. Then again, there are so many crystals. Sometimes I can't remember off the top of my head. But I do have books or articles. I have a very famous book named The Crystal Bible, where sometimes I can look up a certain issue or concern. Right. And I'm going to see all the different stones that fall under that category. So I have people who are looking for certain benefits, and then I'll come up with different stones that could work. And I'm also going to look at what I have in stock, and I'll say, hey, I have this in stock. This is very good for this type of benefit, whether it's chronic pain or mood swings or negative energy, whatever it is. Amazing, amazing. And I think, peut-être ça vaut la peine de répéter cette partie en français juste pour ceux qui, que ce soit leur intéresse. So if you just want to repeat just that last part, just about the crystals and the healing aspects and how that could work, I think that could be big. Yes. Alors, comme je disais, je travaille aussi avec des cristaux semi-précieux. Je les inclus soit dans mes chaînes de taille ou dans d'autres bijoux, que ce soit des bracelets ou des colliers. J'ai souvent des clients et clientes qui me disent qu'ils ont un certain problème ou un certain enjeu et qui cherchent à soulager quelque chose, que ce soit des problèmes d'humeur ou
la guérison, de cœur brisé, peu importe, il y a toujours différents soucis que les personnes ont. Et j'ai un livre et quel cristaux fonctionne avec tel souci. Mais j'ai un livre que je connais sur coup de tête, mais il y a tellement de cristaux que c'est difficile de tout mémoriser. Alors, parfois, j'y vérifie et je regarde aussi ce que j'ai en stock. Et c'est là que je recommande à mes clients, basé sur votre souci, voici ce que je recommande. Donc, tu viens de nous apprendre, en fait, que tu fais du sur-mesure, en fait. Ça veut dire que ta créativité peut être adaptée à la demande du client, selon qu'il aime certains métaux, certaines pierres, certains outils. Voilà, c'est très bon d'apprendre ça. Et surtout quand on constate les prix, parce que si on a l'occasion et on doit pouvoir le faire, de revoir ton site internet avec les beaux bijoux, parce que c'est quand même abordable, hein, c'est quand même accessible. Est-ce que tu fais quand même ta marge? Tu fais du bénéfice quand même, Oui. Parce que moi, j'achète tous mes matériaux en gros. Ah, ben voilà. Voilà. J'achète wholesale. Alors, les prix sont beaucoup plus abordables de cette façon, mais j'ai un stock énorme de matériel à cause de ça. Ouais. Et pour nous autres, là, tu sais que pour nous autres, moi, je trouve ça très beau. Moi, je vois des trucs là que je trouve très beaux, 15 dollars, 20 dollars, allez, maximum 30, 40 dollars. Regarde, là, nous, on est très agités. Là. Moi, je suis pire qu'un enfant, quelquefois, quand je cours ici et là, parce que, Farrow Tom, tu sais comment on est occupé. Des fois, tu es dans le bois, des fois, tu es en costume. Fait qu'il faut que les choses soient solides. Est-ce que c'est solide, ces bracelets? C'est parce que c'est peut-être beau, mais est-ce que c'est solide? Oui, ils sont solides. Mais c'est de la corde élastique, mais ils sont faits assez robustes. Et je m'assure d'utiliser assez de colle aussi pour que le nœud ne se défasse pas assez. Ça, c'est un bracelet, par exemple, un bracelet pour homme. Ouais. Il est fait quand même assez robuste. Oh, nice. Can I see it again? Just can you bring it up on the screen? Oh, nice. It has a lion head on it. Colors, yeah. Voilà, voilà. It has earth colors. I think that might be for me, sister. Yeah, you pulled up the right one. Dis-moi, là, c'est sur ton site. On trouve, quand on va sur le site, on commande. C'est ça? C'est ça, c'est sur mon site. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'items que j'ai fait au cours de la dernière semaine que je n'ai pas encore versé sur mon site, mais ça s'en vient. Donc, ce mois-ci, il y a beaucoup plus de stock que je vais ajouter. Mais aussi... Les gens peuvent toujours m'envoyer un message aussi s'ils veulent quelque chose de fabriqué sur mesure. Et est-ce que tu as des stratégies de partenariat avec certaines boutiques qui ont déjà ton stock? À date, pas encore. J'y ai déjà pensé, mais peut-être que dans l'avenir, je le ferai. Mais parce qu'on aurait ici une belle... Parce que c'est ça aussi, le système d'économie solidaire. Tous nos membres, on est des espèces de famille, en fait, ensemble. Et puis, il y a des participants ici, je suis sûr, après cette émission, qui voudraient avoir le plaisir de faire la distribution. Faudrait peut-être que tu aies déjà pensé à une manœuvre ici de partage de revenus. Est-ce que tu l'as envisagé? Parce que ça irait plus vite, hein, probablement. Oui, c'est sûr. Pour ce qui n'est pas sur mesure, comme les bracelets colliers, je pourrais le faire. Exactement, exactement. Parce que je vois de très belles choses et ça me fait tout de suite penser, je ne sais pas si tu as entendu parler à des organisations comme Espace Urbain, de Katie Antoine. Et puis il y a des organisations, moi je vois de très belles choses que tu fais, je suis certain, on a même des représentations jusqu'à cette île, je suis sûr que lorsqu'ils vont voir ce que tu fais en termes de représentation, ce serait vraiment un plaisir pour eux, vraiment, parce que tu fais de très belles choses et je pense que ton ouvrage mérite ici d'être connu. Maintenant, là déjà, tu commences déjà à être victime de ton succès. Là, tu as préparé la suite comment? Parce que là, si tu as beaucoup de commandes là en ce moment, on doit comprendre ici, là, il faut qu'on s'entende, hein, ceux qui nous écoutent, c'est quand même beau, c'est du beau luxe parce que c'est fait,
par toi, là, c'est pas industriel, là, comment on peut le dire ici, c'est ça? C'est ça, c'est fait par moi. Voilà, donc il faut quand même remarquer que c'est du bel ouvrage. Et s'il y a quand même, si tu as de grandes commandes, il y a ici quand même un délai qui peut s'ajouter parce qu'on paye ici pour ce privilège-là. Hein. Oui, c'est sûr que si jamais j'ai un haut flux de commandes que je vais devoir établir certains délais, pour maintenant, je donne un délai d'une semaine, je dirais okay. Environ 5 jours ouvrables. Okay. C'est sûr que parfois, ça peut changer parce qu'il y a des semaines où je suis beaucoup plus occupée. Okay. Si je suis moins occupée, je pourrais livrer les matériaux beaucoup plus rapidement. Tout ce qui est fabriqué déjà, ça peut être livré d'habitude en dedans de 48 heures. Quand je dis livré, je dirais expédié ou posté. So now let me ask you. So now, as we're transitioning, that was a great question, Frank. So for people who want to order, who want to get in contact with you, what are the best ways to reach you? They can either send me a message through Messenger or by text message. Okay, so I'm email. I also have my business card here. Awesome. So we're sharing your Facebook page so people could see. So it's Liam Jewelry on Facebook. You also have your Instagram that we were just looking at. So same Liam Jewelry on IG. And we have your Etsy, as people had just seen. So same Liam Jewelry. And also if we could just zoom in on your business card so people could see that contact. And there's a QR code. Nice. Yes, now you guys know, as you're seeing it, you could pause this video as you're watching it and scan the QR code, which is this new awesome fast way of connecting with people in the community. That is awesome. Beautiful, beautiful card. And so basically you have that benefit right there. There's just one quick thing I wanted to mention. Yes. Please. That I also make custom jewelry for events. Once I made custom bracelets for a baby shower. As a party favor for all the guests. That was probably the biggest project I ever had because that was for about 60 guests. Nice. Yeah. But that's a very cool and very unique way of going about it. And then everybody leaves with something that they actually remember, you know, different than tote bag that you take all the junk out and you throw it out. Like, you know, it's something where you actually want to keep this and wear it and it reminds you. Oh, c'est, et ça vaut la peine de le répéter parce que pour les organisations et même... même les organisations, les PME et les grandes entreprises qui veulent des outils corporatifs comme ça, des outils promotionnels comme ça, faites à l'image de la structure. Voilà, Maïla vient de vous le dire, hein, elle fait aussi dans ça, mais c'est très bien pensé, Maïla, vraiment, c'est super. Et surtout bien fait comme ça, personnalisé. Voilà, vous êtes au courant et puis on va partager tous les détails, toutes les informations, c'est très très bien. Good. So now, Frank just repeated it. He did just actually say it in French. So I think we got the gist. So now this is just to remind everybody. So the reason we're doing this is also in conjunction with the OFC Lotto Copac. So as the members know, as the community knows, how we explain it to everybody, this is a simple concept for us that we created in order to help money circulate within the community. So for individuals to participate, it's only $2 a month that you pay once for the year. It's $24 for the year, and you're entered into the draw every single week, every single month. We have draws that we're doing where it goes up to $2,000 in a month. Actually, the month of November, we gave away $2,400 because I had 5 Wednesdays, so everyone got the benefit from a little additional. And then as a business owner, you get the benefit, one, from the visibility that we provide to you as a business owner, but then those who win the money can come spend money with you as entrepreneurs within the community. So we want to encourage everybody to participate and to take part as an individual, reach out to us to register to take part in the lotto. And then as business owners, definitely we want to hear from you because in addition to the visibility we give you here, we also post you on the OFC, on the copac.org website for everybody to see. And then as you're also an OFC member, you also have a directory listing on the OFC link. So in terms of the visibility, in terms of the access, for $100 a year, not just are you making yourself available for people to come spend money, but you're also getting that additional visibility. And anybody who knows marketing, paying $100 for that kind of exposure and visibility is
it might as well be free. So we're here to do what we can to support businesses within the community. Frank, did you want to repeat in French? Déjà, merci, cher frère. Et ce serait bien que pendant les petits instants que je suis en train de répéter ça, qu'on voit principalement l'entreprise ici, encore quand on reparte sur le site, pour que les gens comprennent, parce qu'il faut être, il faut qu'on soit pragmatique, en réalité. Quand on parle de pragmatisme, c'est ça. Quand on parle d'intelligence collective, c'est ça. L'intelligence collective des afrodescendants, c'est ça. C'est déjà nous reconnaître. C'est très important, reconnaître, savoir qui est qui fait quoi, qui a des solutions pour la société, qui a des propositions de valeur pour la société. Et là, on le constate. Est-ce que ce n'est pas bien fait? Est-ce que ce n'est pas du beau travail? Est-ce que ce n'est pas quelque chose où il y a de la générosité quand on regarde ça? Alors, c'est ça. Alors, notre but, en fait, c'est d'être des ressources, comme Farrow le disait, d'être des ressources, des individus qui sont des ressources, c'est-à-dire s'ils sont des consommateurs intelligents. Alors, et on va vers ces produits-là, on va connaître ces entrepreneurs même. Et on a vu Maïla, là, c'est pas un robot, c'est une bien personne bien vivante là, qui fait ces belles décorations, en plus ces beaux bracelets, pardon, pour nous. Et c'est ça. Donc, et nous, on l'encourage parce qu'il y a du travail ici qui est fait. Alors, c'est tout simplement ça l'exercice du Loto Copac OFC, c'est d'aller chercher un montant qui nous permette de faire cette circulation et d'encourager les gens ici qui fabriquent et qui nous proposent des services ou des produits comme ce que Maïla nous propose via son entreprise Liam. Donc, il faut encourager ça. Et le Loto Copac OFC nous permet d'avoir un montant qu'on va venir dépenser ici. Donc, ceux qui ont gagné en ce moment, voici vers quoi vous pouvez vous tourner. On a plusieurs entreprises, mais concrètement, en ce moment, voici déjà vers quoi vous pouvez orienter vos dépenses. Vous voyez, c'est bien réel. Donc, on encourage ça. Et on a de l'argent providence ici qu'on a. Ça nous permet de voir, d'aller voir des entreprises comme ça. Et elle est ouverte à toute forme de collaboration. Donc, il faut le rappeler aussi. Donc, c'est ça, notre organisation. On a du temps ici pour en faire la promotion, pour faire la visibilité de ces organisations, mais il faut aussi qu'on mette en application un système qui fait circuler de l'argent, qui fait voir les entreprises locales, qui donne de la visibilité aux entreprises locales et qui crée aussi le culte de l'excellence. Parce que vous voyez déjà à quel niveau c'est important, hein, parce qu'on parlait de ça aussi. Quand on encourage l'entreprise, c'est encourager la culture de l'excellence aussi. Bon, regardez déjà à quel niveau Liam est. Mais vous voyez, Maïla, j'aime beaucoup la façon de parler de Maïla parce qu'il y a beaucoup de modestie dans sa personnalité, même dans son profil d'entrepreneur. Et elle sait qu'elle gagne encore à apprendre et elle sait qu'elle va encore s'améliorer. Mais regardez déjà le niveau. Okay? Alors, c'est ça. Donc, à nous, avec notre réaction, ça permet, ça lui permet d'être encore meilleur. Ça lui permet de grossir, de grandir encore. Alors, c'est ce qu'on doit faire, tout simplement. Voilà. Donc, merci beaucoup, Farrow, pour l'explication. Et encore une fois, merci, Maïla, pour être cet entrepreneur-là qui fait de belles choses comme ça, qui nous propose de belles choses. Et très sincèrement, Maïla, tu devrais déjà penser, si on est dans notre portion d'hiver en ce moment, tu devrais déjà penser à dupliquer ton expertise, à passer à l'enseignement rapide, parce que tu vas être en demande. Là. Parce que moi, ce que je vois là sur le site, c'est très, très beau, c'est très bien fait. On sent qu'il y a beaucoup de respect dans ta façon de travailler. Donc, peut-être aussi ton entreprise devrait déjà penser à former rapidement la suite, la postérité. Là. Donc, voilà. So, again, I thank you. And Maïla, before I close, do you have any final words that you want to say before I close up? Quick few words for anyone who wants to place orders. So pickup is available on the West Island in DDO. And aside from that, shipping is usually free by regular mail, otherwise across Canada. Otherwise, if they order over $40, shipping by expedited mail with a tracking number is free. Nice.
Good stuff. So again, and again, like Frank was saying, and I just want to remind all the previous winners who are watching this. Now is the perfect time. It's the holiday season. There was a lot. I seen a lot of beautiful stocking stuffers in there. So the price is right. So you could definitely you if you want $500, you want $1,000, you want $2,000, you could get full arms of jewels. I'm seeing arms and necklaces. So it'd be awesome to support and to be able to support these businesses and community. We're glad to be able to do what we're doing. So with that, we're going to close up this awesome interview that we've had the opportunity to do. I thank you, Mayela, for again being a part of the OFC, being a part of the OFC Lotto Copac, for supporting as a participant as well as a business within the community. And I just sending you all kind of well wishes, all kind of blessings, and I look forward to your business expanding and supporting not just you, your family, as well as the community. All right. That is mine. Peace and blessings, everybody. Thank you for having me. Merci beaucoup.